vidéo concerne The Evil Within, pardon, 2, en version cheat mode, je sais pas trop comment le définir. On s'est arrêté précédemment sur un petit problème de... comment dirais-je, de plantage, juste avant l'élocution de notre président concernant le protocole coronavirus. On se retrouve là, voilà, pour la suite. Je pense que ça sera le seul jeu ce soir. Demain, je suis pas sûr de streamer, on va voir. Je vous dirai ça. C'est pas commun ça. Bah, saoule pas. Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux aller au théâtre maintenant. Allez, allons défoncer son cul à l'autre.
est forcément quelque part par ici. Vous osez détruire mon travail? Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Vous êtes comme eux, qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le cachent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter, mais vous avez tous échoué. Parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un Néandertal, vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vos mains. Je vais t'encadrer, connard.
Venez, je vous attends. Ma prochaine œuvre sera incroyable. L'absorption totale de sa puissance. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Mais peut-on avoir de l'art sans public? J'ai besoin de vous. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. C'est pas comme ça que ça va finir. Votre mort sera de l'art. C'est le moment d'y apposer ma signature. Vous allez souffrir. Il est mort, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le miroir? Est-ce que je suis? Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher une réponse. Je suis là pour vous aider.
Ça devrait faire l'affaire. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Vous avez causé votre propre perte. De voir.
tout est faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Vous avez la clé pour apaiser vos tourments. Je peux vous guider jusqu'au verrou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas changer le passé, seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. C'est... Lily ?
Canardez-les jusqu'à ce qu'ils crèvent ou qu'on ait plus de munitions. Merde, qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. Bien joué. Ça, espèce de sale fils de pute. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus la force. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Surveille nos arrières. Il y en a d'autres qui arrivent. Ils sont partout! Ne les laisse pas t'encercler! C'est quoi ce bruit? Oh merde! Fais gaffe! Allez! Ouvre les arrières! Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Je s'en fous, bute-les! Je crois que c'était le dernier. Viens, il faut qu'on bouge. Par là. Merci. Je m'en serais pas sortie toute seule. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Fais pas de bruit. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends. Je suis perdu, là. Quel plan? Sortir Lily de là et... éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Compris. Jamais. Allez, passe! Oh, ça va aller? Je peux t'aider? Bouge ton cul avant que je te lâche sur la tronche! Ok, c'est bon. Merci. Tu veux faire une petite pause, papy? Ça va. Je suis pas si vieux. Alors pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait,
C'était le plan de ta femme. Quoi ? Lyra ? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. Tu peux être fière de ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recrutée pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints ? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais restons concentrés. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider ? Ouais, bien sûr. Prête. C'est bon, je te tiens. Ouais, ouais, ça va. Hé ! Tu vas quand même pas me laisser là ! Quoi ? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça ? Tu fais partie du plan maintenant. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie ? On n'était que quatre. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore ? Le père Théodore ? Le père Théodore ? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais ? Je l'ai rencontré. Mais il n'a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain ! Merde ! Vite, suis-moi. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble ? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok. Mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approches pas d'elle quand t'as soif. Thank you.
Comme disait Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sur ton bas. Bien joué, Sébastien. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon, prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs, du moins jusqu'à ce que je les arme. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Théodore ? J'en sais rien. Son repère devrait être sous... Quoi ? Lily est avec Mira ? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il fight. Elle est... différente. Elle se cache pour protéger Lily et il reculera devant rien pour... Si j'arrive à l'arrêter, peut-être que Mira retrouvera cette... Alors, tu veux... Ouais. Comment tu comptes t'y prendre ? O'Neill devrait pouvoir m'aider, mais il faut d'abord... D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Mieux que ça, je l'ai éliminé. Bien. Et Lily ? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolée. Vous avez une piste ? La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ses informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle, en effet. Quelle est la mauvaise ? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Tu peux accéder à la moelle d'ici ? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Cette porte.
Déjà de retour, inspecteur ? Espérons que la moelle est encore là. Je dirais que Théodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. Hoffman, vous êtes là ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ian ? C'est toi ? Ian ? C'est toi ? Pourquoi mon communicateur capte ton signal ? Peu importe, laisse tomber. Où est-ce que t'es ? Quoi ? Mais c'est de l'autre côté du laboratoire. C'est une zone interdite. On nous a dit de bien nous y aller. On n'a pas l'autorisation. Comment t'as fait ? Ok. Ok, je vois. Ouais, je te rejoins là-bas. Fais attention. O'Neill a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. Ça lui ressemble pas. Sa planque et voir ce qui se passe.
Nous voilà. Bien. Que se passe? Hey, vous avez trouvé la sorte. Regardez. Félicitations. Il faudra que vous montriez comment l'utiliser. D'accord. Alors voilà ce que je vous propose. Vous aider? Je ne sais absolument... Non, c'est pas ça. J'ai piraté les serveurs. Je dois utiliser l'un des caissons pour ça. Mais le problème, c'est qu'il... Il y a l'effondrement du système. Si vous rétablissez le courant... Encore une fois. Je vous montrerai comment utiliser... Ok. Merci. Bon les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Il me tape un peu sur le système là. On va voir, je vais peut-être changer de jeu. A tout de suite.